Allô? Allô, allô, James. Quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Grand succès de l'orchestre de Ray Ventura, l'oncle de Sacha Distel, en 1935. Tout va très bien. Madame la Marquise figure parmi les chansons humoristiques les plus célèbres du répertoire français. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. La chanson raconte une conversation téléphonique entre une vieille aristocrate et son valet James. Celle-ci s'est absentée pour quelques jours et vient aux nouvelles. Son domestique énumère alors les catastrophes survenues en son absence. Sa jument est morte, son château a flambé, son mari s'est suicidé. Bref, elle est ruinée, en minorant à chaque fois leur importance. Et c'est en ramassant l'appel qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château qui se consuma de bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie le propagea sur l'écurie. Et c'est ainsi qu'en un moment on vit périr votre jument. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Immédiatement, la chanson fait mouche et tombera dès lors dans le langage courant. On l'utilise désormais à tout va et de façon ironique quand justement cela ne va pas bien, voire pas bien du tout. La presse s'en empare dans les moments clés de l'histoire et en fait ses gros titres. Pour dépeindre l'avènement du Front Populaire en 1936, les accords de Munich en 1938, et puis régulièrement pour se moquer des politiques en place. Tout va très bien, monsieur Staline. Tout va très bien, monsieur Herriot. Tout va très bien, monsieur Flandin. Même le capitaine Haddock dans Tintin et le Temple du Soleil ironise que tout va très bien, mais alors vraiment très bien, alors que dans 18 jours, ils vont être grillés tout vifs par les Incas. Parmi les autres reprises, il y a celle de Pierre Dac sur les ondes de Radio Londres en 1943, où il fait dire à Goebbels « Tout va très bien, mon Führer ». Et celle de Thierry Luluron en 1971. Le président Pompidou s'inquiète de plus en plus de la situation de la France. D'ailleurs, il téléphone tous les matins à Chaban-Delmas et j'ai surpris une communication téléphonique. Voilà ce que cela donne en chantant. Allô, allô, Jacques, quelle nouvelle? Me dit une voix que je connais bien. C'est Pompidou qui vous appelle pour savoir si le pays va bien. Tout va très bien, Pompon, ça s'organise. Ça ne va pas vite, mais ça va bien. Les étudiants et les flics fraternisent. Ils jouent ensemble comme des gamins. En 1977, alors que Paris élit pour la première fois depuis la Révolution française son maire, c'est le comte Michel d'Ornano, alors maire de Deauville, qui est choisi par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, comme candidat et qui affrontera un certain Jacques Chirac. L'occasion pour Jacques Maillot d'imaginer une conversation entre le comte à Paris et son épouse restée à Deauville, intitulée « Tout va très bien, allô, madame allô, la comtesse ». Tout va très bien, madame la comtesse. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que je vous confesse. On déplore un tout petit rien. Un concurrent, un fanfaron qui nous arrive d'aigle-don. Mais à part ça, madame la comtesse, tout va très bien, tout va très bien. Tout récemment, l'humoriste Sandrine Saroche qui imagine une conversation fictive entre Brigitte et Emmanuel Macron. Tout va très bien, Brigitte mon exquise, dans le contexte social que l'on connaît. Allô Emmanuel ! Quelle nouvelle ! Absente depuis quelques jours de mon touquet, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour ? Tout va très bien, Brigitte, mon exquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant, il faut que je vous dise, on déplore un tout petit rien. Une allumette en deux secondes a mis le feu à la rotonde. Rebâtissons, c'est bon pour l'entreprise. Tout va très bien, tout va très bien.